grandest days were those of the weak. Une amie m'a amené à une répétition de la Célestine au théâtre de l'équipe. J'ai regardé la scène, j'ai vu un homme grand, mince, pâle, et je sais tout de suite que c'était Albert Camus. Et ensuite, il est venu, on nous a présenté. Il avait lu mes poèmes, moi j'avais lu l'envers l'endroit, je connaissais déjà la conscience. Et tout de suite, une grande amitié est née. On a fait des grandes promenades sur les hauteurs d'Alger. Et dansé un soir, c'était un petit illuminé, c'était merveilleux. On s'est assis dans un petit banc. Et à ce moment-là, un petit yaoulet, on appelle ça un yaoulet, est venu avec des fleurs et il a proposé des fleurs. Et Camus a acheté des iris qui m'ont offert en disant ce sont des iris de fleurs. Alors j'étais très touchée par ce geste très simple, bien sûr, mais de la part de ce jeune homme que je savais très démuni, à ce moment-là, il avait une vie très difficile, il était isolé et chevreux, que j'étais très émue par ce cadeau. Alors mes parents étaient inquiets de me voir beaucoup fréquenter ce jeune homme. Je rentrais dans la nuit, je ne parlais plus. Enfin, le type de la jeune amoureuse complètement absorbée. Et puis là-dessus, nous sommes partis au Maroc. Mes parents ont décidé de faire un voyage en voiture pour changer les idées. Also in the story of people in France, in the aspiring writers, writers who have spoken even in some provincial place like
graduate seminary in his days. Then it came out being a European routine, so spiritual, French extraction. And most of the Pyrenees, like Camus, with extremely humble origins. His mother was an illiterate child, learned that the head is connected. No books in his house at all. He was to get fed by the youth through my food and on the First World War. When he started going to the East and the secondary school, there was a stranger that came from that suburb, Bellecourt, and suddenly he was surrounded by boys whose families were officers, lawyers, university professors, and he was a little loss. Camus had two ideas in his mind. One which was the idea of sun and beaches and hills. The free, easy life of the body in communities that have to coexist but don't really know each other. Colors are extremely sensitive to colors. And he also felt that it was like a method to work in his meaning. He worked in a kind of obsessive way. Alors ça, c'est précisément l'homme qui n'avait en face de rien. C'est-à-dire que l'homme qui ne peut pas, qui est toujours de l'âge, qui est même toute simple, élémentaire, je veux dire, les antisols du quotidien, et que la mort qui donne un volontairement absurdement un arabe qui ne connaissait plus. Simplement parce qu'il a eu peur un instant, parce que le soleil agitait sur le couteau de la main, parce qu'il y a une goutte de fleurs qui coulait sur ses yeux, il tirait, et dès ce moment-là, il entre dans le monde du procès, et le monde du procès, c'est la découverte de l'homme, il est mis en question de la vie, il est mis en question par le corps, par le tribunal, et voici une façon qui est en train de parce qu'il découvre. C'est qu'il va mourir, qu'il va être dans le mort. Donc ça, c'est une des formes de la vie de l'humanité.
pour être dans la société de l'homme. Tout homme qui ne prend pas le temps de sa vie risque de mourir. Pour moi, Marceau est atteint de ce que j'appelle la folie de sincérité. Ce qui distingue ce personnage, c'est qu'il ne veut jamais dire ou qu'il le sait. Quand on interroge sur un thème qui est décidé de voir une vie par le président de la Sénère, on remarquera qu'il n'a jamais été président de la Sénère, mais qu'il n'a jamais qu'il a été. Eh bien, c'est ce mot de tenace, cette sorte de fascination de l'authenticité de ce qu'il est en pensant, qui lui paraît de la substance de l'homme d'autrui. C'est un peu tout le temps. Nous, c'est d'essayer de l'amortir le choc de l'homme. Mais tout ça, c'était. Ça cachait donc ce qui était en dessous, c'est l'indifférence. En fait, c'est indifférent et surtout, il disait que l'amour n'existait pas. Enfin, il ne croyait pas à l'amour, donc par conséquent, c'est là qu'il n'y avait plus de cœur. C'est un amour de cœur, mais ça, c'est un rayon amour. La catastrophe de son premier mariage, je crois que ça avait détruit beaucoup de choses. Il était dans un mauvais passage. Parce que le fond, il allait évoluer plus tard. À ce moment-là, il était sec. Il y a ce sec, il y a un jour, c'est un camion, c'est un homme qui a été. And he was attracted by him. He was always glad with both, but he would be extremely attracted with me. And when he met Francine, who was not him, the daughter of the man who died on the first world war. Francine, the musically talented, extremely gifted, but she did seem to have the energy of her professional talents. L'animal qui ressemble le plus à l'homme. I'm not going to lie to you, I know that in the future I was going
The transnational broadcasting, we have pleasure in bringing you the readings of letters that are starting to have a social and an interesting place. The journey of the state of the world. Revolt is not a revolution. It is revolt. It's the form of society and resistance, which is to say, a total absent realization of the world is not the force of man and the universe. Revolt comes first in the heart. But there comes a time when it passes into the mind and the feeling of its idea, its spontaneous impulse, and uses its concerted action. That is the moment of revolution. C'était la vie frénétique. Tous les Parisiens avaient réappris à vivre. Les théâtres, les cinémas étaient pleins, les cafés étaient pleins. Là, il y a la rencontre avec cette charmante Espagnole qui était vive, pleine de vie et qui, je crois, a beaucoup soutenu un père à tous égards par sa force d'être. Tout Paris était au courant de la liaison de Maria et de Camus. Voilà. Dans quelle atmosphère j'allais voir revenir ma scène. Il y a beaucoup de choses qui expliquent dans la peste, mais la retour était terrible. C'est
une femme, je vais être une femme. C'est quoi? Ce mal-là ne seront donc jamais propres. When he met her, she was the figure, she was the real, not half of the film story. It connects us very well known in France through Camus and through films. There was something happening in equal footing. He was a Don Juan, but she was a Don Juan. And he went back to her for a time. He could confide in her very nice computer. When I speak of self-possession, it is really remarkable. Human mind. When I think of it with young people, boys and girls, saw this man, sure of himself when he spoke, saying, well, in the university, handsome, confident, and he came to the market. And they found there the hero, some people found there the hero. This was a rare and impressive figure coming out of the Second World War, in which he participated as a resistant. And here was a writer who was fully concentrated on ethical matters. And yet there was something impenetrable about him, something very mysterious and ambiguous. I met him a couple of weeks maybe after he had arrived. I was just quite a young guy. He was indefatigable about seeing New York. That's true. And he began to be my guy. Not only was he indefatigable, but he was irrepressible. I can't tell you the number of times, maybe three or four, and it took me, and sometimes other people, French people, to pure horror, really, to Sammy's Bowery Follies, which was a nightclub or a saloon. And they had these wretched women who played, they sang, and they played instruments. They may have been former chorus girls or something like that, but chosen. And you shake on this kind of habit. It has been painful to me. But he thought that this was, for some reason, hilarious. Although I think it was not inclined, but the people would come at itself night after night to see this thing. He wrote a lot of letters. Also, a human.
femme de Camus, se sont tournés par la littérature et la beauté de l'existence. Les dissentiments sont aussi naturalisés parce qu'ils n'avaient pas une approche tout à fait identique. Et puis, avec les liens familiaux, la tension de la femme qui va monter, ça comporte là le parti de l'idée politique et que lui dit par la réponse. Quand vous vous voyez, vous avez la réponse aujourd'hui sur la sécurité contre. Le grand problème qui nous a coupé, c'est qu'à ce moment-là, on commence à découvrir une pensée politique, une situation, certes, il ne l'y est pas. Simplement, il ne faut pas désespérer bien pour nous aider à la pensée, il ne faut pas désespérer en disant que je vais s'assurer de mon état de conscience. Et alors que Camus a dit, mais on a dénoncé hier les conflits de la société, on a dénoncé hier les conflits. Criticism of the Russian Revolution is quite extraordinary, especially in 1952. He was saying we cannot avoid the fact that this is a police state, actually, in the world. And in fact, we look the same comments are all saying that it's a map and the middle of the day, but it happens not to be. Le propos de la liberté était de substituer à toute idée, toute recherche, toute action révolutionnaire, une conception de la révolte qui nous apparaissait trop abstraite, comment dire, idéaliste. Hors du propos, nous n'embrayons pas sur la réalité. Et dans le temps moderne, nous nous sommes posé la question, dès ce moment-là, du compte rendu que nous étions évidemment tenus en peur. Et puis, personne ne voulait. Aucun d'entre nous ne voulait s'échapper. Et ça a duré environ 6 mois.
Je pense que tu as fait un homme et tu as Camus blames the scholars for being taken captive of history. But that man was not in his. If Camus' revolt wishes to be deliberately scattered, it could only concern Camus himself. The rebel is an important character. You saw your director. You're beginning to be a little tired of seeing yourself. And other African militants who never walked away from the struggles of their times. Receiving lessons in the efficacy of the prophets who never placed anything more than a doubt in the cloud of history. Friendship can also begin to die down. A mixture of somber conceit and vulnerability has always discouraged anyone from taking revolt on it. The result is that you have become a victim of guilt and compassion. It seems like a good idea for this poor book. Today I feel bad about it and feel bad about myself. But I'm not to say that you put me personally into harm. Your defense becomes a self-justification. What is striking is this exposure of your own personality. All this goes to prove that these people have never been my friends. Ellen, it is clima. Que quelqu'un ne soit pas ce que je considérais pour l'un des Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu vous faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante réalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Je n'ai connu que dans l'espoir des quiproquos de ma jeunesse cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteraient mes vraies universités. Je crois que vous êtes persuadé que nous, que si vous avez c'est
fait, sans donner une maison, le posséder. Parce que le posséder marche très bien, mais pas suffisamment pour y avoir une bonne santé ou une qualité. J'ai effrayé. C'est rien. Je me suis trompée. Ah! Mais qu'est-ce que je ne vous reconnaissais pas tout d'un coup. Il me semblait que vous étiez un autre qui avait vu dans la main. Quelle main? La droite. C'est un couteau. Mais regardez ma main. Elle est vide. C'est un couteau. C'est un couteau. De se servir de leur corps un peu comme des acteurs qui peuvent aussi et un petit dans le temps qui fait quand on joue du live on peut jouer du jeu et on peut faire des stages et voilà, on peut faire de je sais pas si c'est vraiment le pied parce que c'est très important parce qu'on ne peut pas jouer le jeu à tout le monde qui le fait et tout aussi. Je lui répondais tout le temps, tu verras plus tard. Mais il faut la sauver. Il faut la sortir de là. Je me trouvais chez Robert Camus dans la même âme. Vous le travaillez sur ce document qu'il m'avait prêté. Nous devons le donner ensemble. En tant que nous avons trouvé une fois que nous étions. Et à l'heure, comme on l'a trouvé, pendant
et même si vous ne pouvez pas nous mettre en forme, vous ne pouvez pas nous quitter, vous voyez une triste vie, mais je vous prie, vous êtes venu, vous continuez tout ça,
C'est une nouvelle. Je veux donner quelque chose ici. Si tu je passe à la fin. Ton fils est un peu. Tu sens que tu as un peu. Tu peux descendre une mission. Je vais vous faire une écoute de la part de François Camus, après un an d'heure, un jour où nous travaillons ensemble sur le site, parce que nous avons une discussion de quelle est-ce que c'est un peu de mieux, et à un moment donné, on a dit que cette femme, qui c'est le moi, dans laquelle on ne tente pas la main, on dirait que c'est ça, le dire en l'air, on sait que c'est notre histoire. Et après toute une fois que tu te complètes toi-même, c'est une bonne chose, et c'est elle qui m'a d'abord révélé que la chute est aussi une confession en même temps que tout le monde est concerné. Quand tu vas me livrer, tu te dis à ce que moi, je suis tout à l'air. Clairement, c'est ce que moi, je suis tout à l'air. Clairement, parce que moi, j'en ai pas de se dire, la moindre de cette femme qui c'est moi. Up and he said, no, no, it should have gone to my work. Camus, I remember the
must endure, he says, as we thrashed I'm going to go to the hospital.
I forced myself to leave my other rooms. So, Début de l'année 57, et je l'ai rencontré de façon assez amusante dans un café, café fleur. J'étais en train d'écrire une table, et il m'a remarqué, et il a envoyé à des amis qui étaient à cette table pour m'inviter à venir dans la scène. J'étais tout à fait
Or, le circuit intellectuel parisien, et comme en même temps je m'intéressais aux mêmes choses que lui, mais de façon juvénile, et puis nous étions entendus admirablement ensemble, on vivait beaucoup ensemble, je pense que je lui ai apporté de la beauté, et je pense que c'est ça, enfin, c'est mystérieux les choses de relation. De parler de sa vie privée, mais en même temps, c'est un message de ma vie qui a tellement compté pour moi que je ne vais pas en parler de tous les autres, c'est aussi un moment étrange d'en parler. Enfin, c'est très difficile de se tromper si j'ai raison. Composé à la fois de tragique et de joie. Il aimait profondément certaines choses de la vie et ce n'était pas un très tragique funèbre du tout. Même dans l'étranger, je trouve qu'il y a un humour masqué et dans la chute aussi. C'est plutôt une ironie ou une espèce de malice qu'il pouvait avoir dans la vie que l'on perçoit dans tous ses livres. Mais c'est tellement tenu. Parfois, que ça passe inaperçu. Je vous ai posé une question une fois, de, si c'était un homme de famille, comme beaucoup d'artistes. Et je pense qu'il avait besoin d'une famille, parce que c'était un homme de cœur très affectif, mais il avait aussi énormément besoin de solitude et de méditation, donc une espèce de repli sur lui-même. Et il arrivait difficilement à concilier tout ça, parce que. C'est toujours difficile d'être à la fois un solitaire, un ermite qui est pris dans son coin et en même temps d'avoir besoin du contact des autres et des devoirs et des obligations qu'on a envers ceux qu'on aime. C'est un peu difficile à assumer tout ça. Oui, c'est un peu difficile. Some of those things to his children. It's simply a problem. When the woman is to a hand of her own mother, and John's doing the finance of the brothers, and for both of them, and for Tom particularly, it's an extremely hard difficult time. Jean a toujours eu envers son père une attitude et une affection ambiguë. Jean était tout à fait du côté de sa mère, pour la texture nerveuse, la sensibilité, mais avec une extrême finesse psychologique. Mais on ne peut pas dire qu'il avait une grande admiration pour son père. Je ne voulais pas apparaître sur un écran. Parce que pour avoir une vie à soi, il faut savoir quelquefois prendre des virages, refuser des choses, quelquefois se cacher, ce que j'ai fait longtemps. J'ai eu 3 ans, j'ai été une très mauvaise élève, je ne sais pas pourquoi. Et ma relation avec mon père était très dure. Lorsqu'il me parlait de mes notes, il m'a dit qu'on me voit. Mais je peux vous dire que, avant qu'il me parle, ma soeur ne pouvait pas manger le dîner comme elle savait ce que ça veut dire. Mais avec tout le monde, je l'ai donné une foule de respect. Avec un humour incroyable, nous avons couru ensemble, nous avons boxé ensemble, nous avons fait des choses ensemble. Catherine a une maladie de jeunesse. Après sa guérison, elle a mûri.
petite, elle pensait qu'elle deviendrait aveugle. On entendait le tap, tap, tap de quelqu'un qui se dirige dans le mur. C'était Catherine. Elle s'habituait à marcher, à toucher, à se diriger dans la nuit. Ça, c'est tout à fait une attitude d'Albert. Tout ça fait avec force de sa taille. La force de surmonter tout. Il parlait pas tellement de lui, mais quand on avait un peu des exigences, pour demander quelque chose qui n'était pas essentiel, il nous expliquait comment lui avait vécu et à quel point nous, on était déjà très gâtés, donc on n'avait pas besoin de ce qu'il appelait superflu. C'est-à-dire qu'à 10 ans, par exemple, il nous a dit que maintenant, il fallait demander des cadeaux utiles. Des cadeaux utiles étant, par exemple, un portable pour aller à l'école. Je ne sais pas si c'est... Quand vous avez 10 ans, vous ne pouvez pas faire ce que je dis. Mais c'était comme ça, et c'est comme ça que je suis allée dans sa clinique. Mais sinon, non, au contraire, il s'est resté. Il était très rassurant parce qu'il aimait la vie et que, par exemple, les parents sont toujours en train de lui dire tu as assez mangé. Moi, si je mangeais énormément, ça me faisait beaucoup rire. Il n'avait pas l'air de dire que ça ne se faisait pas. Quoi. Il aimait la vie, il était. Donc, on ne le sentait pas du tout en mauvaise santé. On le sentait très solide, au contraire, et très tonique. Très tonique. Je me suis dit qu'il me faudrait du temps pour prendre ces livres. Je voulais pas être adulte, mais je voulais avoir une distance vis-à-vis de lui. Une distance dans le temps. Je me réponds une personne, un homme qui était sportif, qui était aussi visiblement un peu match. Je ne voudrais pas supposer une espèce de sensibilité, une espèce de. Pas qu'on s'arrête tous, mais comme il prend le cœur, voir comment il fait, que je trouve dans notre vie. Quand je pense que ça va être assez étonnant, une telle année, ça n'est pas. Je trouve ça assez fort. Je pensais que mon attitude de vers mon père, affecterait beaucoup de manière d'écrire la vie. C'est le contraire qui s'est passé. Ce sont les livres qui m'ont mieux appris qui étaient mon père. C'est une chose qui me frappe, c'est que quand on parle de mon père, c'est pas lui. On parle d'un homme célèbre, d'une espèce de mythe qui est un peu statifié, qui est un peu même moraliste, ennuyeux. Et quand je dis que oui, il avait des faiblesses, c'est-à-dire qu'il était comme tous les hommes, il aimait les femmes, par exemple, et que ben, ça peut être considéré comme une faiblesse, mais qu'il était aussi sujet au doute. Il disait toujours que si un jour il appartenait à un parti, ce serait au parti des gens qui ne sont pas sûrs d'avoir raison. Il m'a dit qu'il allait trouver dans sa coche pour aller
général de son maître de sa jeunesse, ce qui a commencé à passer du fond. Et il avait donc noté l'idée du commerce. De l'autre côté, il y a eu cette espèce de passion de la vie armée. Mais clairement, il y a eu des mondes de lettres. Il s'est tourné totalement vers le théâtre, il a fait la création de possédés, il s'est passé beaucoup plus heureux, il était de voir les comédiens de ce théâtre. Et donc, si vous voyez des gens quand même proches comme moi, il m'avait dit, et il m'avait dit, ça va, tu m'as déjà fait le coup au moment de la chute. Non, non, c'est fini, je te dis, je ne suis pas fait français. What you said to me, he found it in the next person. There was nothing to do with that. In that instant, he understood it was not any prospect for us to stay in the world to go beyond the next step. But the terrible need that made two things is significant to run to this world. And now, the clearly saw the spasm of fear that he had stolen those two things, and his fear was living. People when they were dead, and they were smiling, suddenly revealed to us who can it be when he was a child? His mother was someone who kept her feelings to herself. He could talk to him, he could not talk with him. An absent family, and he's lost his memory for life. Then, and this posthumous book that simply hit me, especially as the book unfinished, is very, very autobiographical. You probably know more about Camus from the first man than any of the other books. Les gens d'Algérie, ceux qui sont venus comme des colons de bas, sans parler de quelques exceptions sur les colons, des pas de famille de la réalité des immigrants, avant qu'il ne n'avait pas de passé. Il n'avait tellement pas d'avenir. Donc à chaque fois, l'homme qui repartait dans la ville, c'était un peu le problème. Comme était son père, c'est ça. Les tiens. I'm going to go to the hospital.
now seemed to him to be intimately linked with this dead man, this younger friend, with what he had been and what he had become. He could not turn away from this name and his guilt. For him, his father was again alive, his train was silent there, and it seemed to him that again he was going to forsake him, to leave his father to hunt with another night, the endless solitude he had been held into. Turning his back on the glory, Jacques Cole abandoned his father. M'a beaucoup touché, c'est que j'ai eu le sentiment qu'avec ce livre, il se délivrait justement de tout ce qui avait été douloureux pour lui, et qu'il acceptait la solitude dans laquelle il était, et qu'il affirmait vraiment ce qu'il était, et en particulier dans le style du premier homme qui est beaucoup plus lyrique que les autres livres. Il affirme aussi sa sensualité et son amour de la vie, mais d'une façon beaucoup plus charnelle, avec des mots beaucoup plus de chair. Et ça, moi, ça me plaît parce que c'est une forme de révolte. Et que la révolte, c'est la vie. C'était une journée qu'on ne pouvait pas avoir à l'heure. La force est une telle je peux avoir peur de la petite sagesse. Il y a une très grande tristesse pour la mort de ton mari. Mais je vois que tu n'es pas fait de situation. C'est une grande dame de savoir. Mon amour aussi m'a dit que ma vie est très tu crois qu'elle est seule en ce moment, à l'amour. J'étais devant mon poste, il était environ 2 heures, je sais tout de suite, il m'a dit tout de suite. J'étais devant mon poste, ce qui était exceptionnel à cette heure-là, d'habitude, je n'étais pas devant le poste. Là. Justement, ce jour-là, c'était là, j'ai tout. J'étais sur le pied. Ma mère était à la cuisine, elle avait entendu. I was thinking that some people caught me. A lot of literary people came in. Fortunately, somebody called me before I had told me. And people were making horrible jokes at this point. I will never forget it. I remember one very well-known critic said the relationship between publisher and author is knife to throat. It wasn't what I wanted to hear at the time. That kind of
job. I was his closest friend. There's no good way to do that. And in some ways, I'm sure you would be. But you still mourn him. And he comes over me. His power of separation in the same place has never before occurred to me. I love you, who stay with me. I love you, I love you. When you make us love, I love you, 2 or 3 days, you keep us alive. Je t'ai dit que j'entendais Albert qui est venu me voir, et j'entendais une femme, avec une dame vache, j'avais aucune idée de mon histoire, et puis là, j'ai mis à la porte, et je pensais que ce serait lui, et là, c'était un ami qui, lui, avait appris la nouvelle à la radio, mais je n'avais pas la radio. J'ai perdu de la radio. Il est venu me dire que tu es venu en accident. Mais c'est tout à fait un courage de me dire tout de suite qu'il est venu. Just a little bit of a moment in the past, the beginning of the world, which is the same principle. For time for the world to be there, I have heard you to confirm that it. And so that would be a good city of the world, and what I want to do. And to be close to the world, it's a city. Tell me, where is my last season? I'm coming back to the world of the world. I'm told trees that we are. I will already bless you, and I bless you from the bottom of my heart. I promise not to speak of fellowship, but I will not trust you.